Ça va manger, on passe le temps à manger avec les poupées. Ouais. Comment il fait pour tourner l'écran? On va s'arrêter devant. D'accord. J'ai besoin d'une chance pour nous de te trouver. Oui. Voilà. Exactement. Ok. Comme tu as oublié de me prévenir avant de venir. Oui, je te l'avais dit. Sauf qu'il fallait que nous, peut-être qu'il fallait le faire à la dernière minute encore. C'est ce qu'on avait même convenu. Oui. C'est vrai. Que non, c'est avec le décès de ma petite soeur. Voilà, que tu. Tu m'as dit que tu venais. Oui. Mais tu sais, quand tu viens tout à quelqu'un, sans plein de lui rappeler. Oui, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Tu bois du blanc ou pas? Mais là on a commencé avec le rouge. Est-ce que tu veux boire du blanc? Non. Laisse-moi l'ouvrir. Ok. Non, c'est vrai, je devais le faire à la dernière minute. Bon, non, on a été un peu perturbé avec le décès de ma frangine. Non, mais bon, ceci dit, comme quelqu'un que Dieu vous aime, déjà il a permis qu'il n'y ait pas la pluie, donc tout a fait. Tout à fait. Et même, il y avait été, il y a des fois où je suis au pays. Mais très occupé. Mais avec, oui, même à Douala, mais avec un agenda chaud de chaud, quoi. Donc du coup, quand, par exemple, là, demain, je peux pas parce que j'ai comme cette direction vendredi matin. Oui. Donc j'ai besoin d'être fait. Vendredi soir encore, je pourrais. Bon, toi, vous n'êtes pas là. Mais depuis, bon, quand on fait. Samedi. Oui, non, c'est bon. Oui. Donc, tu vois, samedi. Dimanche, c'est mieux. Ouais. Non, si vous avez tout samedi, tu m'appelles, il n'y a pas de question. Oui. Voilà. Ok. Mais. Je vous dis quoi? Tu as raison, je dis que c'est une chance que. Tu sois sur place. Voilà. Bon. Il t'a dit que je vais vous voir. Voilà. Qu'on doit se parler. Oui. Je vais regarder comment. Oui, on va regarder en présentant un peu ce qu'on fait, quoi. Voilà, ouais, c'est ouais, ce que en fait, on est dans la, principalement dans la maintenance, dans le secteur agroalimentaire. Donc, ouais, on fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe sur Orléans. On travaille avec des grands groupes comme le groupe Mars, le Pelfou, l'Européen d'embouteillage, dans le groupe Santori maintenant. D'accord. Avec les abattoirs qui sont juste à côté de chez nous, sur le port. On a un panel de clients dans l'agroalimentaire qui est intéressant. D'accord. Et puis depuis une dizaine d'années, on a travaillé un partenariat avec la société qui est Ecolab, qui vend des produits chimiques. Mm-hmm. Et on, sur les trois quarts du territoire français, on installe leur matériel. Et on fait le service après en France. Et c'est quoi du matériel? Ben, c'est du matériel d'hygiène, du process de lubrification de convoyeurs, nettoyage de lignes d'embouteillage, des sas de nettoyage, tout ce qui touche à l'hygiène en général et aux produits chimiques. Et ça, on l'a fait depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, il y a 4-5 ans, on a rencontré leur zone d'export. Et on a commencé à travailler sur la partie du Maghreb, pour faire ce qu'on faisait en France, en service après-vente. Et puis, soutien d'installation et audit d'installation. Et puis, ça a démarré tranquillement, le temps que leur secteur export se repositionne. Et puis, récemment, leur souhait était qu'on voit si on pouvait faire la partie, si on était intéressé en fin de compte pour faire la partie Afrique francophone.
Tout à fait. Voilà. Et comme on avait commencé le Maghreb, moi j'ai dit bon, on peut essayer de développer l'Afrique francophone. Ok. Et avant de démarrer l'Afrique francophone, bah, il faut aussi se déplacer. Le Maghreb, c'est quand même à côté de chez nous. On a des interlocuteurs, on a des intervenants qui sont maghrébins. Donc la mise en confiance est beaucoup plus simple. Tout à fait. On connaît les profils, on connaît les angles, les usines. C'est quand même plus facile que l'Afrique francophone. On ne connaît pas. Donc, ouais, avant de se développer sur cette partie-là, moi, je voulais m'imprégner un peu de la culture, voir comment c'était organisé. Le champagne est frais, le champagne est déjà frais. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu avec Naomi, c'est-à-dire voilà, on va s'imprégner, voir rencontrer des gens, voir comment ça fonctionne, voir si on peut transmettre notre savoir sur cette partie-là et comment on va pouvoir demain l'organiser. Parce qu'on est passé là, après vous devez discuter chez nous. Nous déjà discuté. Il faudrait que je vois son agenda avec lui. Hein. Voilà. S'il a un moment demain, vous voyez. Il pourra vous recevoir discuter un peu avec vous. Oui, parce qu'on a un intérêt, je dirais, en termes de formation, en termes de compétences techniques avec notre client Ecolab. Et la recherche, c'est d'apporter ce qui n'est pas fait aujourd'hui sur vos régions par Ecolab. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les installateurs sur les grandes lignes mettent le matériel Ecolab, mais par contre, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de maintenance. D'accord. Et aujourd'hui, les grands groupes, comme tous, uniformisent et veulent ce qui est bon, je dirais, en France ou autre, soit, je dirais, dupliqué absolument dans des lignes comme les vôtres, par exemple. Et là, hey, Carole. Enfin, je vais te faire. Ouais. Non, ça, c'est la tête. Ah oui. Je fais du travail de découpe de poisson. Oui, oui, oui. Vous ne me dites pas bon appétit. Moi, je souhaitais pas bon appétit. Bon appétit. Non, je dis à mes... On a déjà fait. À mes amis de Facebook. Alors, on a demandé aux proches de Longuet de l'aider. Et M. Jacques Elimbi a trouvé qu'il faut que je vienne manger de bons poissons. Parce qu'on raconte que Longuet, ça ne va pas. Voilà, vous voyez, je suis avec un grand monsieur. Donc invitez-moi à manger, s'il vous plaît, parce qu'on a dit, demandez à mes proches de m'aider. Invitez-moi. Tous les soirs, je viens manger, invitez-moi à midi, tout, ça va m'aider, peut-être ça va me soigner. Tu sais quoi, il ne faut pas se voir reprendre le réseau. Voilà, ça, c'est ça, mon gars. C'est ça. Non, si on m'invite, c'est bon. Quand tu réponds au réseau, alors là... Si on m'invite, c'est une mauvaise chose, il y a beaucoup de proches. Il y a des proches en désordre. Il y a raison, non? Laisse-nous nous parler business et manger. Bon appétit, ouais, monsieur Elimbi. Voilà ma soeur que je n'ai pas vue depuis longtemps. Depuis longtemps. À moi, hein? Heureusement, oui. Vous êtes où, madame? Paris. À Paris, hein? Le boulot, d'accord. Le boulot a fait que Dieu merci. Le contact s'est rétabli. Mm-hmm. Et à des brasseries? Non. Donc, comment elle voulait faire? Elle voulait. Comment elle faisait là? Elle voulait. C'est vrai qu'elle a retrouvé mes traces. Grâce à cela, comme Dieu est grand, nous voilà en train de partager encore.
Et moi aussi, je vous dis merci pour l'invitation. Un poisson avec eux. Parce que les... quand j'avais la gloire, oh, ils étaient nombreux. J'ai des poches que quand ça pète comme ça, tout le monde fuit. Mais on dit que pour le moment, le gars l'avait marre. Oui, tout le monde fuit. C'est le ministre qui m'a appelé hier, il m'a dit que non, viens Yaoundé, viens Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde m'appelle, tout le monde m'appelle que ça ne va pas, ça ne va pas. Donc vendredi, là, il doit être à Yaoundé. Un concert là-bas. Je dois aller rencontrer le ministre. Parce qu'on lui confirme que ton fils, ton frère, là, il est fou. Vous me voyez comme un fou. Peut-être mon grand frère aussi voulait me voir. Il me regarde discrètement pour voir. Est-ce qu'il est normal? Un tonton, j'ai un tonton qui me guette de temps en temps que. Est-ce que le type là est normal? On a dit qu'il est fou, non? Je te dis que. Ah, Internet. Internet, pendez la bola, Mayaka. Là, ils sont en train de te reprendre en direct, là. Ils sont en direct. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je vois les messages défiler. Ouais, c'est, moi je mange. Je mange. Après ici, comme je pars à Yaoundé vendredi, je m'en ai mangé une tonne. C'est tout. Là, nous sommes chez tonton Samy. Hein. Je suis avec des grands. Voilà la soeur qui vient de Paris. Et Georges, voilà. Jean-Jacques. D'accord. Bon appétit, Jean-Jacques. Merci. Soyez la bienvenue au Cameroun. Oui. Vous allez séjourner ici? Ah, ça veut dire on mangera du poisson tout le temps alors. Et les gambas aussi, apparemment, vous avez. Soyez la bienvenue. Merci. Le pays est bien. Il n'y a pas beaucoup à ramener ici. Et Paoma, la star du net. Voilà. Bon appétit, Paoma. Mais regarde tes amis quand même un peu. Bon, je vous aime bien. Bon appétit à vous. Et on se revoit bientôt.